Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. 18 janvier, le texte de cette méditation se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et moi aussi, c'est pour cela que je fais cette méditation quotidienne mon frère, ma sœur, où j'ai pris des témoignages de gauche, de droite, pour vous expliquer exactement qu'est-ce que la foi, pour fortifier et travailler votre foi. Et donc le titre de cette méditation d'aujourd'hui est « Parler avec foi ». Chaque fois que le frère et sa femme commençaient à prier pour remercier Dieu pour le repas, elle éclatait de rire. Elle disait « Je suis guéri. La parole déclare que je suis guéri. » Le 10e jour après l'imposition de mes mains, tout symptôme disparut. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Le 10e jour après l'imposition des mains, tout symptôme disparut. Ce qui veut dire que pendant 9 jours, elle a eu tous les symptômes. Rien n'avait changé. Peut-être ça avait même empiré. Mais elle restait fidèle à la parole qu'elle avait reçue dans son cœur. La parole était écrite, mais il y avait quelque chose qui confirmait que cette parole était pour elle. Elle devait s'approprier et elle devait garder ça. Elle devait chasser tous les doutes. Elle devait chasser tout ce qu'elle voyait. Elle devait chasser tout ce qu'elle entendait, mon frère, ma sœur. Elle devait avoir que les yeux fixés sur le fait qu'elle était guérie. Pas qu'elle allait être guérie, mais qu'elle l'était déjà. Elle se disait, cette maladie n'a pas lieu d'être. Cette maladie, c'est faux. Ce que je vois avec mes yeux, que je suis cloué sur une chaise, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est vrai que ça a été le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, comme ça, 9 jours. Mais le 10e jour, la guérison est arrivée, mon frère, ma sœur. Plus tard, elle expliqua, « Je savais, selon la parole de Dieu, que j'étais guéri quand vous m'avez imposé les mains. La puissance de Dieu est tombée sur moi. Et pourtant, j'avais tous les symptômes que j'avais auparavant. » Cette femme aurait pu penser, « Eh bien, si je suis guéri, pourquoi je suis toujours assise ici ?» La lamentation, vous savez ce que ça veut dire? Se lamenter? Elle aurait pu se convaincre qu'elle n'était pas guérie. Mais elle commença à louer Dieu. Elle commença à dire, « Je suis ravie d'être guérie. Je suis si contente de pouvoir marcher, de ne plus être ligotée à ce fauteuil. » Elle parlait par la foi, car elle croyait ce que dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je ne le prendrai pas parce que nous l'avons lu ces derniers jours. Et je vous invite chaque fois que je vous dis un verset à télécharger soit une application de Bible et à regarder les références que je vous donne ou à vous acheter, à procurer une Bible. Aujourd'hui, nous avons acheté des Bibles même dans les magasins et à regarder si ce que je vous dis est vrai. Ne vous fiez pas juste à ce podcast. Ne vous fiez pas à ma parole. Fiez-vous à ce que Dieu vous dit dans sa parole, mon frère, ma sœur. Alors, une bonne déclaration pour aujourd'hui, mon frère. Il est écrit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Si nous l'avons été, alors je le suis. Je suis guéri, je suis en bonne santé. Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je suis ravi d'être guéri. Soyez puissamment bénis, mes frères et mes sœurs. Rentrez dans votre guérison. Parce que Dieu vous l'a déjà accordé avant même que vous ne soyez guéri, mon frère, ma sœur. Oh, je remercie Dieu. Entre parenthèses, je voudrais vous dire que mon épouse est ravie de tous les messages de bon anniversaire que vous lui avez envoyés hier. Elle était vraiment heureuse, charmée et contente de ce que vous avez fait pour sa vie. Elle dit, je les ai bénis durant ces longues années, et là, ils m'ont béni. Ils ont réchauffé mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le dis par la foi, soyez guéris, et merci pour le bien que vous avez fait vous-même à notre sœur Karine. Soyez puissamment bénis, et n'oubliez pas, je ne le dirai pas tout le temps, mais n'oubliez pas de partager ces audios. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec votre entourage, dans les groupes où ce que vous êtes, parce que comme nous vous avons béni, vous allez bénir d'autres à travers la méditation que vous allez donner. Vous êtes aussi le canal par lequel les autres sont bénis. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais avec chacun d'entre nous. Sois puissamment béni, mon Père, Père Céleste,
et bénis mes frères et mes sœurs qui sont dans la souffrance. Bénis-les parce qu'ils comprennent que tu les as déjà guéris. Si quelqu'un est allongé sur un lit, il n'est plus sur le lit. Par la foi, je le dis, il n'est plus sur le lit. Au contraire, je dis comme la parole de Dieu le dit, comme Jésus l'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, parce que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les miracles qui sont en train de déferler sur cette planète Terre, cette merveilleuse planète Terre que tu as créée. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus. Je remercie Dieu pour chacune de vos vies. Rentrez dans votre guérison que Dieu avait déjà pourvue avant la fondation du monde. Soyez bénis et à demain pour notre café matinal. Soyez bénis.